Das deutsch-französische Jugendwerk hatte heute Abend ungefähr 15 Volunteers im Einsatz. Deutsch-französische Volunteers, um es mal so zu sagen. Also alles junge Leute, die sehr gut zweisprachig sind, durch das deutsch-französische Jugendwerk und durch die FFF und den DFB geschult worden sind und auch schon bei den Weltmeisterschaften 2006 und 2011 gearbeitet haben. Die sind heute hier zum Einsatz gekommen in den Bereichen Presse, Medien und Protokoll. Là, en fait, on était en train de contrôler une banderole, parce que les supporters, ils aiment bien rentrer avec des drapeaux en tout genre. Et pour la sécurité, ils veulent toujours savoir s'il n'y a aucun message à caractère raciste ou quelque chose de déplacé qui pourrait être inscrit dessus. Et nous, notre rôle, c'est de traduire ou de vérifier tout simplement que tout va bien et que la banderole a le droit d'entrer dans le stade. C'est les connaissances linguistiques qui m'aident là pour l'instant à faire que tout se passe bien et à régler ce genre de petites situations à l'entrée du stade. Wir erreichen ja bereits sehr viele Zielgruppen und die Gelegenheit, uns hier vor 80.000 Leuten zu präsentieren, war natürlich nochmal eine ganz besondere Möglichkeit. Wir sind natürlich hier beim Spiel Deutschland gegen Frankreich, um auch unter anderem die beiden Länder für das Nachbarland zu interessieren. Und hier habe ich auch ganz tolle Taschen. C'est souvenir, fêter, construire l'avenir. Wir feiern natürlich auch 50 Jahre deutsch-französische Freundschaft. Und da wollen wir natürlich die Leute mitreißen. Also die Erfahrung der Jahre 2006 und 2011 hat gezeigt, dass viele Volunteers, die bei der WM im Einsatz waren, dann auch hinterher einen Berufseinstieg im deutsch-französischen Bereich gefunden haben. Zum Beispiel beim deutsch-französischen Jugendwerk, aber auch bei Vereinen und Verbänden, die deutsch-französisch orientiert arbeiten. Je souhaite travailler dans le milieu sportif, notamment le football et pourquoi pas franco-allemand. Donc c'est vraiment, pour moi, ça m'apporte beaucoup, voilà, que ce soit sur le plan personnel et professionnel. Depuis 50 ans, depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, il y a un réel rapprochement et il y a un axe franco-allemand très fort. Et si le sport et le football notamment peut contribuer lui aussi à faire que la France et l'Allemagne soient deux grands amis, eh bien on le fait volontiers. L'OFAGE a aussi beaucoup d'actions qui sont faites avec le CNOSF, avec différentes fédérations. Là on en a, je veux dire, un exemple avec ce travail fait sur plusieurs années, depuis 2006, tour des bénévoles qui accompagnent les compétitions de la 3F, mais accompagnent aussi les compétitions de la fédération allemande. Tous ces échanges autour du sport sont très riches de la cohésion entre nos deux pays.